Balimaw an ɲa kuma très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle. Maliens, kabako dɔ kɛra bi. Mercredi 17 mai 2023. Ko Français ka otage mun minɛna, ko journaliste mun kun minɛna f'u y'a libéré. Français yɛrɛ journaliste olu de bɛ ka bɔ bi k'a fɔ ko Français ko Français sɔrasiw kun b'a kalama. Ko mais ko Français sɔrasiw ma Faransi sɔrasiw y'u yɛrɛ ka jamana kɔnɔden tatɔ otaji la terorisiw bolo. Mɛ k'u ka sɔrasiw ma intervention kɛ ka terorisiw bali, u k'u ka u yɛrɛ ka jamana kɔnɔden dɛ k'o ta otaji la dɛ. Ne m'a fɔ dɛ, Faransɛw yɛrɛ ka journaliste de bɔra ka nin kuma in fɔ Maliɲɛnw. Ne Segu Tunkara bɛna yɔrɔ kala, aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'an bɛ taa an bɛ se, an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Maliɲɛnw, Ala y'an ka dugawu minɛ bi. Ne m'a fɔ aw ɲɛna ko voilà a yɔrɔ sɛbɛnnen fila yɔrɔ la. L'armée française complice de l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois. Point d'interrogation. Un journaliste enlevé, c'est une rançon payée. C'est là qu'il y a business. Ouvrez vos yeux, les Français. Aïe, Maliens, mena yɔrɔ kala. Français yɛrɛ bɛ k'a détailler. Ne m'a fɔ na Ala ye Maliens ka tiɲɛ bange bi. Ne m'a fɔ na ko Français de terroriste. N t'a fɛngɛ ye. U yɛrɛ ka journaliste, Français ka denwoloden mɔden, terroristes de filɛ k'o ta otage la. Français sɔrasiw b'a kalama dɛ. Français yɛrɛ ye mun fɔ la Maliens, n bɛn'o kala. Aw ni an bɛ jɛ, an b'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An y'o de fɔ a ɲɛna ko n'an bɛ taa an bɛ se. Bulon u tɛ Mali ko in na bilen koyi. N'i sera Mali ma dɔrɔn Ala b'i malo de. Maliens, aw ni an ka jɛ, an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Juste après son enlèvement, logiquement, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête et ses interrogatoires ont révélé des surprises. Depuis un an et demi, quatre médias français enquêtent sur cette enquête, mais sans jamais rien publier pour ne pas mettre Olivier Dubois en danger. Maintenant qu'il est libre, donc ces quatre médias, Libération, Le Monde, la radio RFI et TV5, peuvent enfin révéler que cette affaire ressemble à un roman policier. Ce qu'on apprend, c'est qu'Olivier Dubois était surveillé de près. Oui, il était surveillé par l'intermédiaire de son interprète, un jeune Touareg de 25 ans, prénommé Kader, qui vivait à Gao. C'est à lui que le journaliste français avait demandé d'organiser une interview avec un chef djihadiste, ce que l'interprète a fait avec succès. L'émir a donné son accord pour une rencontre à Gao avec Olivier Dubois. Les djihadistes ont même offert de payer son billet d'avion et son hôtel, ce qu'il a fait effectivement. Quoi, djihadiste ? Ko terroristes yɛrɛ de cɛ ka avion billet san. A ye kuma in mɛn dɛ Maliens. Ko djihadistes aw b'a hakɛ to. Faransɛw yɛrɛ de filɛ k'a fɔ dɛ, u ka journaliste min enlevé la. Non seulement armée française kun b'a kalama, armée française, Faransi sɔrasi kun b'a kalama. Ko terroristes bɛna u yɛrɛ ka journaliste enlevé. U ma foyi kɛ pour que k'o bali. Non seulement u ye terroristes to ye, u ye Kader enlevé. An t'a dɔn n'a ka sɔrɔ farafin de don, o la to y'a to a ka kɛ wa? An t'a dɔn kungo kun don, mɛ an kɔni bɛ mun kɛ ni kalama, c'est que nous on sait, an bɛ mun kɛ ni kalama, an b'a dɔn ka fɔ nin tɛ ko ye, ko ye ko nin ye ko nin ye nin tɛ ko ye ko nin ye ko kasɛli. Donc ka ɲɛfɔ Maliɲɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna, voilà ce qui s'est passé. Donc an bɛna ko tɔ kala, aw yɛrɛ ka Faransɛw ka journaliste lajɛ, a bɛ ka mun fɔ. U ka journal dɔ bɛ ko Le Monde, o y'a relevé, o y'a révélation kɛ. U ka journal dɔ fana bɛ Faransɛw ka journal dɔ fana bɛ ko RFI. O fana bɔra n'a ye. Donc u yɛrɛ dama de filɛ ko jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn lebu de ye. Ala ye Mali ta fɛngɛ. Et puis u ye galon min nɔrɔ Mali la ko mura problème na. U nana ni GPS numéro min ye. Ja u taara ka taa Congo. Ataki dɔ kɛra Congo dɛ. O ni filɛ ka t'o de photo ta k'o yira ko kɛra Mali la ko mura. U tɛ Mali la galon tɛgɛ la. Mɛ o kana to an ka tɛgɛ jigin dɛ. An ka continuer. Maliɲɛnw, aw n'an ka jɛ, an ka Faransɛw yɛrɛ ka galon min jɔr'u yɛrɛ la, an ka jɛ, an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Aw n'an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Son billet d'avion et son hôtel, ce qu'ils ont fait, effectivement. Mais est-ce que le journaliste est... Maliens, aw bɛ se ka faamuya cogo jumɛn? Ko Faransɛw ka journaliste, terroristes ka tila ka avion billet tigɛ, k'a di Faransɛw ka journaliste ma, terroristes de wari dama k'a ka billet tigɛ ka taga dɛ. Maliens, aw ni Ala na ka di, ni ye ko jɛlen ye. Et puis, e ma ye Burukinaw gɛn ka bɔ yan parce que Faransi journaliste bɛ accès sɔrɔ hali terroriste chef la ka taa intervention kɛ. A y'a lajɛ ko in kɛra cogoya min na. Un grand risque d'enlèvement qu'il courait. Oui, Olivier Dubois a été kidnappé en avril. Il était enlevé au Mali. Il était surveillé par l'armée française qui espérait ainsi localiser un chef djihadiste. Les militaires français n'auraient pas alerté le journaliste des très grands risques d'enlèvement qu'il courait. Oui, Olivier Dubois a été kidnappé en avril 21 à Gao, au Mali, et libéré 2 ans plus tard, le 20 mars dernier. Juste après son enlèvement, logiquement, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête et ses interrogatoires ont révélé des surprises. Depuis un an et demi, quatre médias français enquêtent sur cette enquête, mais sans jamais rien publier pour ne pas mettre Olivier Dubois en danger. Maintenant qu'il est libre, donc, ces quatre médias, Libération, Le Monde, la radio RFI et TV5, peuvent enfin révéler
que cette affaire ressemble à un roman policier. Ce qu'on apprend, c'est qu'Olivier Dubois était surveillé de près. Oui, il était surveillé par l'intermédiaire de son interprète, un jeune Touareg de 25 ans, prénommé Kader, qui vivait à Gao. C'est à lui que le journaliste français avait demandé d'organiser une interview avec un chef djihadiste, ce que l'interprète a fait avec succès. L'émir a donné son accord pour une rencontre à Gao avec Olivier Dubois. Les djihadistes ont même offert de payer son billet d'avion et son hôtel, ce qu'ils ont fait effectivement. Mais ce que le journaliste ne savait pas, c'est que son interprète travaillait. Aouni Alache, ko djadisouye et Olivier ka hôtel sara. Abe Olivier doa, Olivier photo flené. François ka journalisme mou menana fouya bla, kalo temelena, a photo flan ora, mena photo boga ira malien bela. Anyatala, ni journalisme de do, ko Olivier, François ka journalisme nine kou menana, et djadisouye nine ka hôtel sara, kaka avion, billet d'avion sara. Aouni Alana Krache. Nema farango François ni terou soube bala. Ouye rade flaka bona ide. Donc, anga kouma tola mesano. Ko djadisu ya aka avion biesra, kaka hôtel sera, mais on a kanga nyonye, o laban kara mounye, ko armée française fana ba kalama ko tchebena menade, mais Francis Rassou, ko Francis Rassou ko ordre ma doluma, koluka djadisu bali, kuku ira ka djamana ol demene, parce que fara fin de do, ne ma fana ngwara sisu de do, ni toba ou de do, anga kouma tola medron. C'est qu'Olivier Dubois était surveillé de près. Oui, il était surveillé par l'intermédiaire de son interprète, un jeune Touareg de 25 ans prénommé Kader qui vivait à Gao. C'est à lui que le journaliste français avait demandé d'organiser une interview avec un chef djihadiste, ce que l'interprète a fait avec succès. L'émir a donné son accord pour une rencontre à Gao avec Olivier Dubois. Les djihadistes ont même offert de payer son billet d'avion et son hôtel, ce qu'ils ont fait effectivement. Mais ce que le journaliste ne savait pas, c'est que son interprète travaillait aussi pour l'armée française. Il était en contact avec les officiers de renseignement de l'opération Barkhane, il était rémunéré et il avait justement été recruté pour tenter d'avoir des informations sur ce chef djihadiste. Peu avant l'interview, Kader a donc donné tous les détails aux officiers français, la date et le lieu de l'interview. Les Français lui ont dit qu'ils envisageaient de suivre le journaliste et de monter une opération pour arrêter le chef terroriste qu'il devait interviewer. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Non, finalement, le 8 avril 21, Olivier Dubois est arrivé à Bamako. Il a été accueilli par son interprète Kader, qui lui a fourni des vêtements locaux. Les deux hommes ont ensuite pris une chambre d'hôtel, ils ont partagé un repas, puis ils se sont rendus au rendez-vous. Kader avait dans son téléphone une application qui permettait aux militaires français de le géolocaliser. Il leur a aussi transmis des photos des vêtements que portait le journaliste. Comme prévu, Kader n'est pas autorisé à suivre le journaliste pour rencontrer le chef djihadiste, mais ses contacts dans l'armée française le rassurent en lui laissant entendre qu'ils ont les moyens de surveiller ce qui se passe, par exemple avec des drones. Et en réalité, on comprendra plus tard que le journaliste était suivi de près depuis des semaines, mais qu'au moment où il est volontairement monté dans le pick-up de ses ravisseurs, eh bien les soldats français l'ont tout simplement perdu. Contrairement à ce qu'ils avaient dit à l'interprète, ils n'avaient aucun moyen de suivre le journaliste, ni drone, ni satellite, ni puce pour le localiser. Et les militaires français n'ont pas prévenu le journaliste des risques qu'il prenait. Et non, et c'est ça que révèle l'enquête judiciaire qui est en cours. Les militaires ont eu plusieurs réunions consacrées à cette interview et ils savaient que le journaliste était en train de prendre de grands risques, mais aucun militaire n'a pris l'initiative de l'alerter parce qu'on n'a pas reçu l'ordre de le faire, a expliqué un officier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Olivier Dubois savait les risques qu'il prenait, il avait même désobéi. Donc, Malian, on est à la tchèque. Quand Francis Sourassi Niamoro Farlanyoga Kakanyoronye, comme Makoroma Funina Kuka ou Toine, comme autorisation m'a dit Sourassouma, Kokou Ereka Djamaglande Baliko Djadissi Koumine. Malian, Abenu Koundoa. Vous irez à une terroriste de Béjaka Barakanyofe. Vous irez à Touboulou Boumine, comme ça, vous ne pouvez pas vous. Parce que vous avez war Douma, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu. On est à la crèche, on est à la crèche. Bon, il y a un Français qui est djelingi. Donc, le dossier courant de Français contre là. Alors, donc, le dossier urgent, dossier courant de Français, alors, des Français malobi. Malien, allez bien, vous avez vu que vous avez vu révélation flanant de Français, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que anga presa asimi demen anga konshon kuran benajo anga demelike uka passé mboro ke mbaka dama vugal doye alaka dongoro duguje alabe here kura de gira malien una ka franci libu amangini malien be fe konshon kuran mu flenini ameski kumaninga amangini malien be fe be ka voter konshon kuran benasika ka passé bié mercredi 17 mai 2023 malien be ka voter konshon kuran ni Malien beka boka ayira kafo ko oni beka bi malika beka nga srosu supporter bela jelenga mali tranchon supporter sur la base de la vérité, je le dis bien sur la base de la vérité ni mumay agara duwa ya fore mais angou demain fin flare ka galabi anga balé be
Malien bé, mais Mali politicien ou aile se goutou mura jigila tege. Mali politicien ou aga jamana de beka chibi. Aute ka bobi ko defambi. Mali politicien bé tede. Politicien n'y mambé. Aute asimi fe. Aute transition fe. Aga jamana be chi. Mais aute aga jamana defan. Galame gandoro sora si mounouna. Asimi dentouye. Akorake touye. Malien ou de do. Inafo au. Au ere soumoko dobe sora si yala. Aus. Aga jamana sorasi tenintigi galon nga nora ola ka jadisi fisane aga sorasi ouye aw politisyen ayaga jamana chi san bi sabanin ko ama jamana ina avanse bi ambe ka avanse bi ambe ka here soro ambe fe mali ali malien bebe sa aw ka fanga soro wallahi aw te fanga yin soro kasara ala funa ka soro ala kote tiye katla ka fote trenjo mogo mogo ni be ka complicité keni ni mogo koron nuye kimu nou nyangami anchela ni ma dabla ibe malu mesiki kumainka ame transition ko. Ame constitution croix en bas supporté. Ama ngini malien be fe. Malien be ka oui que constitution croix en croix. Be ka transition demain. Katla ka fo. Chier do kulukulu kono. Oye chier tigiye. Me chier ikle. Oye chier rey. Ka nya fo. Transition nyamogo nyamogo. Nibe dubulu jela. Adabla. Non te abe fo yiko. Non te wala bi la yishugle bi wuliko. Nama ke akashi bon teke kono. Le merita. Travaille avec le merita. Aka bo dubulu jela kono la. Kataka. Mogo. Kataka mwa munu ye jamana chi san bidru. Mwa munu man deme ambaruko banka. Mwa munu man deme omuma difisil. Kana kaba olu kokolu nano olu ye kolu. Kolu akili yelema. Mwa ni fin. Barake ni mwa ye mwa mbi fe. Nti fe fruata la. Mwa refo bela jeli ngena. Oye nga konseye ko fo transition ya mwa ngena. Naya nyabi mwa kunta una. Ambe infiltre awa fanga imetla kata olu dekabulu. Oye atete ka fanga bitine. Oye sanogo ndeke unchuwa kelin la. Na o bina jokono. Ewa se pays flède, on est à conseil qu'on fait sur la signe Moro Bena. Angenimba Obela Dilinko. Ame transition, c'est un pouvoir civil ou militaire. Katla, ka nyafo. Voilà, est bloqué là. Donc, à la gare, que Bela Dilingi. Oyoro, te menoko fe kabala Malion. Mena eleve la son flanamike bi. Malion, Francis le Bourabi. Be adon Francis de Nidia disou be barake nyoko fe. Ne bo de fo a Bela Dilena. Ou ben neke kouma be. Unit terrorisme ben yon kalama très bien obet ta fe ni burumi ka francito en fait francito de kumbetra mais ko anga sura sou kuma marfa ta terror te djadi sou be moto la fou be ka fe mi djadi sou kuma ka fe mi yiri kro anga sura sou a auto autoriser la marfa chala ko droit de l'homme mo langulu ko droit de l'homme malien mena fo malien dem bela jelengena ko oni a rapport mi bon mali contre la muraka ou ye numéro GPS mon kala. Ou tara Congo de Congo. Katara Congo, katara photo korokoroba do ta eno. Malion mena photo imbo ka ira obela jelena. Ou tara kata photo do ta Congo de. Malion, mena photo imbo, photo imfla orola. Attendez une seconde. Mena photo imbo malien de bela jelen kayi. Voici la photo. Ou tara aflene. Ou ye GPS mouira. Voilà. Ou ye GPS moura. GPS numéro 400 78 9 14 32 45 46. Aya do Google konodro avec Congo de Gira Aula. Passe 36. Aya ro semene be aula. Pour gaga do ko ye galo. Tellement ou haraba lendo. Ou be fe kambali choro. Ou era taran galon patre. Kata photo ta Congo. Ka galo tre. Kon mali surasou ye moko fra moura. Kata Congo de. Congo et République Jair de. Kata photo ta fo dougouera la. Ko kera mal la kasoro jao ma ken mali la. A GPS fle aura la. Fo e isas of. Faux. Dans les rapports frélatés de la MINUSMA, le rapport dit qu'une fosse commune est située à 4 6 00 789 14 32 45 46. Si vous mettez ces coordonnées dans le Google Maps, ça donne la ville de Kivunda en RDC. Le bac plus 25 n'ont qu'à ouvrir leurs yeux. Malion, Congo du Domenoko Kivunda, Kivunda. Ja, otero dugu, kongo dugu dore foto tade. Kana galon tige, aounye, ko kera muradi. Malion, kuma be flan nye koro. Ni makia kongo de, na tera san no. Ko la page, ouye araporo mi ke, araporo mi konana, abe page 36 de la. Voilà, c'est la page 36 du rapport. Ouye araporo mi ke ka chi malima. Na tera araporo mi daele, abe tera araporo mi page, voilà, la page 36, abori la, voilà. A rapport page 36, ou quel mec a ta blague en rode là, qu'a tant galon tique qu'en aura en la soirée sous la photo flénée.
Maliens ont été photos ina. Ou quel mec a ta douleur des photos ta quoi kera moura. Donc ta une photo ni anganya moko gena. Ou bien galon tige de. Beba roye galon tige. Mais ou ta dabla ou tanto inde. Ta fo mali nya moko gena. Ou alla ou tanto i. Ou ban kele de. Hanin galon do ou ban kele. Ka une fois présent assimina a une euro card dans ma vidéo doy. A une garde dans ma vocal doy. Angen be transition ko amangi di malien be ka transition supporté. Ma même une fois transition nya moko gena bi mercredi 17 mai 2023. Beba do yen galon tike kan rom la mura rapport la. Mais ou yo de ke kataka Kadhafi bi. Ou yo kere ne ke kataka Saddam Hussein bi. Ou ben galon tike. Ou yere ba do yen galon tike. Ou be balon galon de ka. Ou be dila kilin galon de ka. Ou bouka vibe ken galon de ka. Ou bouka dugudon balon galon de ka. Ou te tien fo. Ou wolan galona. Ou monan galona. Awa bon galon kele. Ou ten galon isra blade. Ou ban kerenon galonye. Nan be tien no fe. Bila ante tien so. Nan an yamuro banga jaman galon de ou yere. Anganya mo ay jamal goldon to kabo anganunu lebu na yerema ko kauni nunuba sama onu nyonche Kadhafi kule la fampe kube ka galonro ana Kadhafi kule la fampe kube ka galonro ana utara Kadhafi fra Saddam Hussein ko ay nanga dugula na ko ko fefe be aya photo ta Saddam Hussein di uto utara ka dugula opero mato ya fra no bi no fe nu en galonro ila jiebe ba do ko galonro de mo betla ka tai kama we Kadhafi frate ka Saddam Hussein frate ka Samuel do frate. Argument contre argument. On est dans un monde de rapports de force où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ame diye kura min kono bi. Galon, ni fanga bila, ere ta e tchineye. Ni fanga tila, emina fin fe fa ben galon. Tawa tchinete bi. On est dans un faux monde. On est dans un monde de rapports de force où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ala ka kili nyuma dan bela jelema. Amba ou blan orola. Malien, ta fo mali nyamoko nyina ay jamono don toy u ka bo ka defan u ka bo mali dugu bela ina fa mbora 14 janvier tuamina na ay moko to ka bo le 25 natay force de changement ka wole wole bebema be ka bo jeudi 25 mai 2023 be ka nyon soro boulevard la ni Assimi sona ni Modibo Kone sona ni Sogeli sona be ka tra boulevard la o de kain fangaima o de kain malima o de kain afrikima na ako kante bo ka ta boulevard la o koro o be ka Macron ta barade ke indirectement. C'est la pure vérité. Ante ou kele, ante dimokro, mais ame proposition de ke. Na ou sona odo, na ou kanga to shia kulukulu kono, ame to shia kulukulu kono, ante ou kele. Mais nan trois ta ou bao bi, fro foito la. Ala sago, au sago, akambe, ciao ciao.